Pour ceux qui ont réalisé qu'on a enlevé la cordelette de notre trousse de premiers soins, on l'a simplement transférée sur un autre équipement. Donc, en enlevant le bracelet de la montre et en tressant la cordelette, on a pu former un nouveau bracelet qui évite quelques grammes. Donc, voici le résultat. On a deux bandes tressées de chaque côté, reliées par un mousqueton. Voici comment procéder en quelque sorte. On commence ici en l'attachant, puis on double le tressage. Puis, on vient passer en dessous la montre pour en former qu'une seule unité, vu que c'est une corde de tente et on ne veut pas la couper. Puis, on continue ici le tressage pour terminer ici, ce qui fait un bracelet qu'on peut relier avec le mousqueton. Après avoir fait la première loupe autour de la tâche de la montre, on peut commencer à tresser comme ceci. Après avoir évalué la longueur de notre poignet, on prend les deux cordelettes et on les passe sous la montre pour les amener de l'autre côté. Et ensuite, effectuer un deuxième tressage. Ainsi, le bracelet sera complété. Pour compléter la dernière boucle, voici comment faire. Donc, une petite démonstration du démontage de la montre, mais en fait, du cordage de la cordelette. Donc, on défait le premier. Donc, la cordelette à sa pleine grandeur.